Bienvenue à Villa B dans l'Essonne, à proximité d'Évry et de Corbeil-Essonne, avec cette nature sauvage, enfin presque, puisque nous retrouvons le centre commercial juste derrière. Petit point de vue sur la vallée de l'Essonne, avec l'église de Manucy au loin. Donc de l'autre côté de la vallée se trouve la ville d'Ormois. Nous voici sur un sentier qui permet de relier les villes de Villa B à Manucy via une partie de la commune de Manucy. Ce sentier permet également de rejoindre la ville des Charcons. Le lac Duc de la Vanne, que vous apercevez, et le domaine de Montaugère. Voici la rivière de l'Essonne, à la limite des communes d'Ormois et de Villa B. Au cœur de cette charmante et merveilleuse vallée, la vallée de l'Essonne, à la limite des communes d'Ormois et de Villa B. Nous sommes au niveau du moulin. Pas mal de circulation, car un axe important permet de relier Manucy à Villa B par un ancien pont qui a récemment été rénové. Alors, le seul point noir, ce sont évidemment les petits déchets sauvages jetés dans la nature, comme ce caddie qui est en train de se noyer. À proximité se trouve un centre commercial, donc c'est le centre commercial de Villa B. Preuve que la nature est en danger. Voilà, et malheureusement ce n'est pas le seul caddie dans l'eau. Car à proximité, il y en a un autre. Donc ce n'est évidemment pas très intelligent